Bobissot Média vous présente son émission Son de cloche, une émission socio-culturelle et politique. Échanger, écouter des opinions de personnes diverses, connues ou non connues, sur la culture, le social, la politique et autres. Son de cloche, la parole à... Alors, Monsieur Rémi Nouveau-Mou, bonsoir. Bonsoir, je rappelle encore à nos auditeurs, en te remerciant d'avoir accepté notre invitation ce soir, que vous êtes les gérants de Arcontech, le bureau d'études, pour élaborer les projets, notamment pour l'Afrique, mais aussi spécifiquement pour les Congo. On a justement tout appréciation nayo et puis sentiment nayo par rapport à actualité, on a vu les vidéos qui ressemblent vraiment à l'exécution sommaire. On nous a dit que c'était un montage, mais il y en a eu d'autres qui ont suivi et ça fait mal au cœur. Et yo, en tant que aussi candidat aux futures élections présidentielles en République démocratique du Congo, Olobini. Premièrement, je dirais, je présenterai mes condoléances aux familles des Congolais éprouvés qui ont perdu le membre de leur famille dans la situation politique qui nous endeuille. Et je reviendrai à dire que Makambo n'a moins la faillite de l'État. Faillite, hein, et continue piaque, quoi. C'est-à-dire, il était à la rassouté. À partir du 19 décembre 2016, le Congo n'existe plus. Tout le monde a bien. Mais il va tout comprendre. Le Congo est comme un conglomérat. Zamba, Mobo, Yoyo, Moutoukota, Pona, Zoua, Salanengo, Lingi. Et comme je l'ai dit autrefois, ce qui olingo ça la politique politique occupé yo. Ce qui se passe au Congo, c'est quoi? Il y a les crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, les gens comme Mende doivent répondre aux crimes par rapport à leur déclaration. Parce que Matouba Kizara Mesetisekedi sur Masolo va pandara kimabamba nani pas le bar à la télévision. Oui bien on a vu la vidéo. C'est la même façon. Mango va t'en perdre. Bah Kizara Tisekedi sur vidéo, Anna. Pour dire que dans le baraque, ainsi de suite, mesure forte, mais pas ça la déclaration. Donc, les lopes Bisso. Bon, Bisso, il dépeste, Bisso, bon, il dépeste. Nous allons les acquiser de la même façon. Au Congo, aujourd'hui, nous avons trois gouvernements. Nous avons trois Congo. Donc, on a trois gouvernements, on a le rassemblement, Kabila na gouvernement na ye na troisième monnaie za nani nazo ebatebo. Alors non. Alors je vais vous expliquer. Tous un gouvernement des Nations Unies représenté par la MONUSCO. Tous un gouvernement au nébuleux ya Kabila. Oh yo mon na raté zo agir. Et puis tous un gouvernement ya ba Congolais ba marionnette ba Mende ba Boshab banane. Trois gouvernements. C'est-à-dire le gouvernement par échelon, ils ont par responsabilité, par pouvoir. Le gouvernement des Nations Unies est au-dessus de tous ces deux gouvernements. Et le gouvernement de Kabila est au-dessus du gouvernement des Congolais. Les Congolais sont là en bas comme des marionnettes, bah, où ça n'a pas sale boulot. Vous vérifiez, n'a pas sanctionné, vous tangez l'anga combo, le gouvernement à Kabila va sanctionner, va sanctionner Moutouté, va sanctionner Mende, va Congolais. Mais bah Rwandais ou bah ça Congo ou bah ouah tout le bah Rwandais t'es mais tout le bah Congolais d'origine rwandaise bah sanctionné à mon côté botanga la combo alors que bah sanctionné bah Congolais bah Pierre Numbi bah nani pour bah tourner bah ça qu'on utilisait bango au moment venu bah relâcher bango donc bah mouche au moment on a attendu bah nos deux parce que ma campagne m'a dit de tout côté bah demande bah Nations Unies de expliquer situation oui. Mais justement, Rémi Nakatiyote, et loko Rémi Bisoto Bengayo, pour nous tourner ça en gros, parce qu'on a vu le 15 février dernier, au Tindi lettre dans les Nations Unies pour Otia Congo sous tutelle. Est-ce que ils allaient s'allier dans la décision Oyo, ils allaient préconiser par la CENCO que ceux qui sont politiciens, ils allaient couper ça à l'ONU, Azwa tutelle yambo kanabiso ou bien ezalelo mususu. Mais avant de répondre, toyo kananu élément oyo ya professeur Kabongo. Tout ministère au Congo a au moins 3 ou 4 agences qui sont
n'est-ce pas, diligenté par la Banque mondiale ou le FMI ou le OMC, donc c'est-à-dire les bras technocratiques de la mondialisation, ou bien par les agences de coopération de la de l'Union européenne, du Japon. Et ces agences interfèrent dans toutes nos activités. Ils ont même des prérogatives qui sont généralement dévolues au ministère. Et Greenpeace décide sur l'environnement, fait la gestion forestière, la BESTECO fait ceci. Donc c'est une autre possibilité de débilitation du pouvoir d'État en RDC. Parce que j'ai parlé des ingérences structurelles en parlant de la MONUSCO qui joue le rôle d'un gouvernement mondial installé au Congo, avec des forces armées, avec des forces de police, avec des budgets, qui se permet même de nous faire des comptes rendus. À ce niveau-là, lire une phrase d'un texte qui a été publié par Frank Fanon en 1961. Alors Frank Fanon écrit ceci. Petit à petit, l'idée d'une intervention de l'ONU prenait corps. Alors, on peut dire aujourd'hui que deux erreurs simultanées ont été commises par les Africains. Et d'abord, par Lumumba quand il sollicita l'intervention de l'ONU. Il ne fallait pas faire appel à l'ONU. L'ONU n'a jamais été capable de régler valablement un seul problème posé à la conscience de l'homme par le colonialisme. Et chaque fois qu'elle est intervenue, c'était pour venir concrètement au secours de la puissance colonialiste du pays oppresseur. Voyez le Cameroun. De quel pays juste le sujet de M. Ahidjo, tenu en respect par un corps expéditionnaire français qui, la plupart des temps, a fait ses premières armes en Algérie. L'ONU a cependant contrôlé l'autodétermination du Cameroun et le gouvernement français y a installé un exécutif provisoire. Voyez le Vietnam. Voyez le Laos. Il n'est pas vrai de dire que l'ONU échoue parce que les causes sont difficiles. En réalité, l'ONU est la carte juridique qui utilise les intérêts impérialistes quand la carte de la force brute a échoué. Les partages, les commissions mixtes contrôlées, les mises sous tutelle sont les moyens légaux internationaux de torturer, de briser la volonté d'indépendance des peuples, de cultiver l'anarchie, le banditisme et la misère. Donc, motiver la mise sous séquestre du Congo. Je parle du Congo en 61, à 50 ans avant l'indépendance, parce qu'en 60, déjà, l'ONU était là, avec tout ce qui nous est arrivé, la mort de Lumumba et tout et tout. Et 50 ans après l'indépendance, l'ONU est toujours là, avec une force, avec la force, n'est-ce pas, de sécurité la plus forte au monde, avec un budget colossal, et jouant le rôle, n'est-ce pas, de la gouvernance mondiale en RDC. Alors, Neko, je voulais préciser. Nana Sali Bissolo Sali demande il y a ouverture, il y a accord, il y a assistance administrative. Premièrement, te préciser, au moins la loi pénale. Mais c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Alors, quand on dit demande il y a ouverture, c'est-à-dire ton solo là, et ce n'est pas la, d'abord, ce n'est pas l'accord. On ne conclut l'accord que si on se met d'accord sur un cahier des charges. C'est-à-dire nous avons soumis un cahier des charges. Demander l'ouverture, il y a accord. Pour tout ça, l'accord, il y a assistance administrative. C'est-à-dire, c'est le coaching. Contrairement à c'est-à-dire, je vous explique. Charte des Nations Unies, si c'est charte 12 ou 13, si je ne me trompe pas, il n'y a que des pays qui n'est pas indépendant qu'on peut mettre des sous-titelles. Un pays qui est indépendant, bon, entre guillemets, hein, le Congo, je ne sais pas si on peut dire indépendant, parce que pour un indépendant, c'est d'abord indépendance économique qui confirme l'indépendance politique par sa monnaie. Tout le monde dit que Congo est indépendant, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on dit demande d'assistance, ce n'est pas l'assistance, c'est la demande. En plus, ils ont mis demande, mais ouverture, il y a demande. Et ça, l'étape n'a pas procédé. C'est pour donner des responsabilités à chacun, pour la ligne. Mais qu'on appelle ça quelque chose, on retourne en question. Mais on sort dans l'endroit où on est bon, on soupçonne que Moutaïba est un tel. Qu'est-ce que vous allez faire? En vrai, parce qu'on est dans l'endroit où on est en train de faire. On est dans l'endroit où on est en train de faire. On est dans l'endroit où on est en train de faire. Un vrai stratège, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, quand on est en train de faire, on est en train de faire.
pendant les jours où il va mater. Si on va vérifier, ma grand inspecteur de police n'a pas rapport à Abassem Ibi. C'est-à-dire, demande l'assistance, c'est quoi? Nous demandons le coaching des Nations Unies. Alors, na comment ici m'a raté pourquoi? N'a pas exemple. Yo lobby na chinois autonome là au PC cahier des charges té autonome zélo la ligne à PC au prix à lobby mais ce qu'on y est bien n'est pas ton zélo au bas na ligne autonome zélo ça en état de couche elles en la pêcheur boyé elles en enrobage ya boyé elles en la matière boyé comme ça tant que chinois au PC on zélo tu vas contrôler ce qui t'a donné. C'est là où on aura des responsabilités. Mais biso, mutaya kana Congo atonginda kunenga lingi apesoka anda kuropesi mbongo. C'est pourquoi tu wako ko vérifier tes soki mbambasa za malambo. Mais problème c'est quoi? Oni ayaka na bamboka. Mais babengisa ka été. Mais moi la démarche c'est on ouvre un accord babengisi. En plus ce n'est pas l'ONU. L'ONU va mandater les pays. Il y aura des pays qui sont reconnus hein, administrativement, la police, la NITO, à bas niveau, il y a échelons, hein, il y a échelons. Il y a des pays qui sont réputés, à bas compétences, qu'on les capte, pays musulmans, à bas domaine, moko. Et l'ONU maintenant va mandater. Il y aura une résolution des Nations Unies. On a bien la résolution triple A. Et ça n'a qu'à y être mobimba. N'a qu'à être autant qu'y en a malam au monde. Il y a des points qu'on a demandé. Alors, si vous avez des charges, vous allez plus facile pour tout le monde. Point haut, tout le monde est en côté. Je vous fais un exemple. Net frontière, vous avez besoin de vous. Vous avez sa responsabilité dans l'armée, mon voisin. Vous avez la Rwanda. Pour vous, vous êtes trop embêtant. Ah, vous avez un poteau. Dans la Suisse, dans la France, la place de la douane suisse, vous avez une douane française. Douane française, vous avez sa rapport. Parce qu'il y a une collaboration. Ce que ça n'est pas, vous avez une douane française. Donc, tu as des comptes à rendre. Mais ce qu'on y a dit, Moutansala qui kounate, moi, je rends ma compte, hein, et salité. Balobarake, même ma superpuissance, Bazali est limitée par la loi. Même Dieu est limité par des principes. Ce qui va principe, Bazali clair, on confond des mounas principes. Ce qui principe, il y a flou, moi, je confond les athées. Aujourd'hui, mon histoire est dans le Congo, on a bien que ça va. Moutouté. Mais il y a pas moi, je sais pas, on compte. C'est parce que c'est la cacophonie, c'est des autres. Mais ce qui vient au Bengi si batou. C'est-à-dire coaching, vous avez un exemple. Un exemple. Un joueur va être un terrain bas, un entraîneur. Si l'entraîneur est un bon joueur, il y en a là, au Tchébi, l'équipe est gagnée. Mais si le joueur n'a qu'un terrain, un bon, il y a un pénalty à côté. Le problème, c'est quoi? Nous allons administrer notre pays, mais nous demandons un accompagnement. Comme on reconnaît un bon maître par ses élèves, ce qui accompagne mes salamis, malamou, l'honneur viendra. Aux Nations Unies, et pour une fois, ils auront réussi quelque chose. Et puis, nous avons la responsabilité parce que c'est nous qui sommes, qui serons au devant de la scène. Et comme les Nations Unies ont délégué Bamboka, et vous avez été en France, c'est ce qui peut être maintenant, dans un domaine, vous avez par exemple dans l'armée, Chine et Amakasi, pour faire une résolution de la Chine pour former l'armée congolaise. Ou bien, na économie, neti ba Norvégien, ba Kassi, bo Sengi. Et puis, biso peut aux arana, na droit ya ko, on va bien ko interjeter, ko terme, on va le bara, ko réquiser. Aux arana, droit ya ko réquiser. Ça va bien se passer. Mais comment ça va s'articuler? Mais comment ça va s'articuler avec la Mbouglio, tout en anglo, la Congo, l'Elo, par gouvernement, Bélo, tout en anglo, mais ça va faire comment? C'est-à-dire que demande et la période transitoire. C'est-à-dire que dans un premier temps, la politique a horaire de vide. C'est-à-dire qu'on va imposer Kabila doit partir. Les coachs des Nations Unies viennent nous accompagner avec ce qu'on appelle les cinq piliers de la reconstruction nationale. C'est-à-dire que dialogue inclusif et compromis historique. Nous faisons compromis avec nos voisins autour du royaume de la Belgique. Parce que deuxièmement, ils relavaient pays image à Belgique. Mais encore Belgique, encore, avec tout ce qu'on a subi, tout ce qu'on... Tout, Neko, n'a repris cet exemple, mon gros. Quand nous disons que nous, les autres nous font du mal, on est même pas de ça, Baninga. N'a pas le baraka, 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 n'a pas le baraka. En 1964, tant que les Congolais ont été battus à Mokolo, ils ont été battus à Tchombe. Ils ont 300 000 familles Congolais à Brazza, à Zonga, à Maboko, à Bredoui. Batika Bassani, Batika Banzou, Batika Bambeto. Ils ne sont pas les gens qui ont été battus. Ils 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 ont été battus. Est-ce que c'est normal ça? Ils viol été battus. Ndeko tozonga toke na nino oyebiti na babenga alipa ngwabi elingo banini c'était une insulte ba congolais to bana ofinga president Marien Ngwabi
parce que ça mon coussin. Mais ça se fait pas la bamboka et puis surtout quand t'as ma ton dima n'a qu'on développe ma bébélé si mes aïe salama baso avion à pied bah ceux qui sont aux alakana ou t'as un Ouganda n'est comme à camusane bélé en alobique. Moi je demande un compromis historique tout solo là n'est comme ma soleil allait bélé ma congolais mine tout le monde son histoire. Nous devons revoir notre histoire. Nous avons aussi une responsabilité livre d'un au bimata n'a comme président. On a vu que le procès d'intérieur est question de culpabilité. Nous avons tous des culpabilités croisées, des responsabilités croisées. Nous accusons que les autres. To bengana ba malien, ne connaît pas cet exemple. Moko yo ba auto côté la bango na Sénégal moko nini. Gambie. Pona nini na Gambie ba côté bango biso ba côté biso té. Les Congolais doivent apprendre à partager les richesses avec ses voisins. C'est ça la phrase. Ah, ben ça nous rappelle justement Maramba Sarkozy. Alors, que dis-tu maintenant de la phrase? Et ça, là, vous avez désavoué, par exemple, hein, les Rwandais, les Congo, Congolais, quoi. La phrase, voilà. Sarkozy n'a pas dit que le Congo doit partager. Non, apprendre à partager n'est pas égal à partager. Sorobi, maman, n'a pas dit que le Congo doit partager. Aïe, quoi, la équité. Équité. Apprendre à partager n'est pas égal à partager. Malheureusement, nous, les Congolais, nous avons une phrase bientôt. Du coup, aux autres. Sarkozy n'a pas dit que le Congolais doit partager ses richesses. Apprendre à partager ce qui est à lui, qu'on appelle cet exemple. Tu as une indépendance, tu as qui à Rwanda, Ouganda, Burundi, tu as là. Hein? Bah, voir, on a banque, on a banque centrale, on a Congo, on a banque. Donc, on a comment on a banque. Mon, on a banque. Ndeko toko ta makamu wate zali trop sensible. Suki se uta wapi. Sibe er zahir. E uta wapi. Ndeko. Tosa. Ndeko. Landabia. Pendant 15 ans Angolais bunda guerre. Na unita. Kongwe salanine. Bano souteni unita. Vous pensez que les Angolais sont contents? Omoni yango ndeko. Kongwe salapasi. Yango na robin ndeko. To anticipé avec koma trop tard. To solo la. Oso mbe. Biso zole la. Tango ba ninga ba onako le la. Tout déstabiliser tous les pays d'Afrique centrale. Et nous appuyons, on était un pays fort. Et nous avons commis aussi des atrocités. Mais le problème, la stratégie de Arc-en-Dex, c'est quoi? Stratégie, modération et conciliation. Il y a des stratégies de contournement. Il ne faut pas affronter les choses en face. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes faibles. Il faut une stratégie. Nous allons dans une vision mondialiste. Dans une vision, il y a panafricanisme, une nouvelle vision d'Afrique. Hein? Il y a organisation au pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes croisés. Autrefois, les Congolais se mariaient avec un Congolais. Aujourd'hui, nous avons des Congolais. Mamadou Ndala Tokoumsaka. Il est moitié ivoirien, moitié Congolais. Mais il est héros au Congo. Voilà un vrai héros. Hein? Mm-hmm. Voilà un vrai héros. Il est héros au Congo. Tous ont un déco. N'a pas que n'aime pas ça, n'aime pas ça. Les Kamunanobaki, il y a. Indépendance ya Congo tangelanga ba komba ba héros indépendance soko bengi ba congolais to ibangote pourquoi Lumumba Kasavubu bazalakati Kasavubu azali héros indépendance te Lumumba azali héros indépendance te to tika makambo ara to ba bien Lumumba kufa po la nini akufa po na indépendance te héros akufaka okufeli cause okufi po na cause mais yito zaka de ya indépendance ba kufa prete. Tout va bien, n'importe quoi. Tout ça, indépendance, bah on va être au coufa, bah ça l'aura déjà. Alors, bah coufa là, ma comme Moussous, ma héros indépendance, bah l'oba, bah on t'est passé gay, bah bomba s'est créé, parce que bah ça étranger, bah Rwandais, bah Zali, bah coufa la 4 janvier, bah Angolais, bah Zali, bah Congolais, bah Brazzaville, bah Zali. Voilà, on dit que tout le monde, tu sais que c'est gravissime quand même, bah tu l'as gagné. C'est gravissime, c'est parce que la vision panafricaniste, là, on a bien outana. Frank Fanote, Onde Gualobi, Outana Paul Panda, né en 1888, c'est lui le professeur de Simon Kimbangu, ou à quoi ça rabine le prophète. Le grand professeur, c'est Paul Panda, le premier université congolais, c'est Paul Panda en 1888, celui qui a enseigné à Sorbonne, à Paris, à Bruxelles. Le premier des Congolais. Moutabana, il est wana, vision wana. Ma soleil, allez, belle, to ébité. Et on a vu là-bas Congolais, tous les temps, il y a aussi là-bas confrontation, débat télévisé, to vandiboye. Togozongelango. Basala square na, ceux qui, Molenbeek, c'est Molenbeek. Oh, il y a soda belge, non, soda congolais. À l'époque, basse, il y a soda belge. Bah, congolais, bah, réclamant.
parce que dans la première guerre mondiale, de côté de la Bango, il faut corriger l'histoire. Et nous aussi, nous devons corriger l'histoire. Nous avons des responsabilités partagées. Dans l'obité que parce que tous les responsabilités, nous devons attaquer les gens. Nous devons revoir aussi notre histoire. Nous avons fait aussi du mal. Nous avons 1987-78. Tu mets à les morts de Sénégal. Nous avons fait bien. To bengana parce que to polara babi to beta ba kongu ba sénégalais osakanate la viole sa mal ba kibati ngana ebi na zara na kishasa. Est-ce que to lobe la rango? Et vous pensez que les sénégalais sont contents? Pour nani nika ka to lobe ka biso deko un vrai homme de droit de justice faut ça la justice de tous les côtés na ya yo na ya baninga soki to lingi tozo a raison il faut to qu'un esprit on a dit compromis historique et commission vérité et réconciliation. Les Congo relongolongo jamais na Rwanda, les Congo relongolongo jamais na Uganda, na Tanzanie, ainsi de suite. Tous sont obligés de revivre ensemble. Donc nous sommes obligés de négocier. Négocier, nous ne battons qu'on se soumettre. Tous solo là, parce que nous sommes tous perdants. Orgueil tous en à Pamba. Aujourd'hui le Congo est déjà parti. Regardez, les Rwandais attaqués. Kabila, on attaqué l'autre fois à l'est. Aujourd'hui va comme à l'ouest. C'est qu'ils ont traversé le pleuve. Bah, comme il proche, il y a quoi atteindre l'objectif na bango. Il y a un moment où Kabila a repoussé, a repoussé la tractation pour nous atteindre la finalité à l'Ikambo. C'est-à-dire, Ndeko, Maramoussous, on a bien démoralisé les Congolais, on a beau y koloba. Il est temps que les Congolais venaient autour de Arc en tech intelligence. On va vous montrer les chemins, une vision contournée, stratégique. Comment nous avons sous la guerre, c'est une vérité. Mais tu dois avoir une stratégie politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la disponibilité. Nayo, na bandi, tokutani mbalasima. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.